Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube L'œil du gossip. Nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé en temps réel. Née le 11 janvier 1991 à Douala, fille d'un basketteur devenu homme d'affaires, Mélanine Goga Alia Mimi est une chanteuse, rappeuse et comédienne camerounaise. Elle s'est révélée en 2016 avec le titre Danse Fio entre Afro Popra et R'n'B. Titulaire d'un master en communication des entreprises et marketing, Mimine Goga a d'abord commencé comme comédienne en 2008. En 2011, elle est l'actrice principale du long métrage. Sollicitée pour tourner dans les clips de Ndedi Eyongo et Jimmy Sev, elle franchit le pas en reprenant le titre impair du rappeur Stanley Eno. Elle débutait réellement sa carrière musicale en 2014 avec le single Warrior, qui lui offre une place de finaliste au concours de musique MTN Mekte Music. Il lui faut attendre 2016 et la sortie du clip Danse Fio entre Afropop, Rap et R'n'B réalisé par Dr. Nken Stephens et produit par Salaciel pour se faire connaître du public camerounais. Suit en 2017 le single et vidéoclip Donna aux couleurs Afropop. Mimi fait ses débuts au cinéma en 2008 en tant qu'actrice dans la série Paradis tournée à Buéa et Limbé où elle joue le rôle d'une chanteuse de cabaret. Elle obtient en 2011 le premier rôle dans la série « Et si c'était vous » d'Ousmane Stéphane et Sergio Marcello, qui remporte le prix du public au Seattle International Film Festival aux États-Unis. En 2019, elle joue le rôle de Junife Manzoula dans le film « Shenanigans » réalisé par Salem aux côtés de Muriel Blanche. Elle joue également dans la saison 2 de la série « Madame Monsieur » de Ebenezer Kepombia sortie en juillet 2021. Merci d'être resté connecté sur notre chaîne, à plus pour de nouvelles informations. Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.